40 ans. Avantage Krishnan. Connors qui commet quelques erreurs, je crois qu'il n'est pas tout à fait entré dans le rythme de la partie. Égalité. Un point très fort chez Connors, passing shot le long de la ligne en extension. Avantage Connors. Égalité. Égalité à 40 ans. Avantage Connors. Jeu Connors. Un jeu premièrement. Voilà Pierre, chez le jeune Krishnan, est-ce que vous ne retrouvez pas un peu le coup de patte du père? Non, j'ai l'impression qu'il joue d'une manière tout à fait différente. Son père jouait beaucoup en touché. Le fils Krishnan joue d'une manière relativement classique avec un petit peu de lift. Ce que je crains sur ce premier jeu que j'ai pu voir, c'est que Krishnan, qui n'est pas très grand, a du mal à attaquer son service. Il se contente de le placer, de le lifter. Il n'arrive pas à avoir de première balle puissante. Ou alors, est-ce dû au fait qu'il est encore en période d'échauffement et qu'il n'avait pas voulu pousser son service. Mais j'ai l'impression qu'il ne pourra pas bien utiliser son service pour mettre en difficulté, tout au moins sa première balle de service, pour mettre en difficulté Jimmy Connors. En tout cas, il semble avoir trouvé sur son coup droit des angles très fermés. Oui, il l'a remarquablement fait. Il tient bien la balle du fond du court. Il est arrivé effectivement tout à l'heure à trouver un très bon angle sur une balle difficile que lui avait placée Jimmy Connors. En tout cas, il a perdu son service et c'est Jimmy Connors qui mène un jeu à rien dans ce premier set. Jimmy Connors qui sympathise avec le public. Quinze zéro.
30-0. Quarante-zéro. Jeu Connor. Deux jeux. Premièrement. Connors qui, comme l'autre jour, sert toujours d'excellente première balle. Il a rarement l'occasion d'avoir utilisé sa seconde balle et ses premières balles sont toujours variées en direction, très longues, bien placées. Et on fait commettre à Krishnan des fautes directes. Connors qui déjà semble prendre l'ascendant. En tous les cas, il joue beaucoup plus long alors que Krishnan joue court. 0-30. Renta. Un petit peu longue la balle de Krishnan. Connors, trois jeux à rien, première manche. Oui, c'est du très bon Connors. Je pense qu'il n'y aura pas vraiment de match aujourd'hui, sinon le plaisir de voir Connors placer de telles accélérations. Mais je pense que Krishnan est encore un peu tendre pour résister dans ces conditions à Jimmy Connors. Oui, Krishnan et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et on a vu un coup très caractéristique, ce revers croisé qui est le coup favori de Connors, alors que comme dans la partie que nous venons de voir, Connors préfère rester au fond du court et distribuer le jeu, un petit peu comme Chris Evert tout à l'heure. Et comme Chris Evert aussi, il a ce revers à deux mains qui est un coup très très efficace. Quinze zéro.
30-0. Une maladresse de Krishnan sur une bonne deuxième balle néanmoins de Connors. Jeu Connor. 4 jeux. Première manche. Oui, 4 jeux à rien pour Connor dans le premier set et je crois que Krishnan ne parvient même pas à créer un semblant d'illusion. Non, je dois dire que Connors met beaucoup, beaucoup de pression. Il sert et il joue près des lignes. Et Krishnan a du mal à résister à cette pression. Deux balles. Quinze. Remarquable ce coup fait en avançant. Une grande vitesse et une grande précision. Dehors. Une balle. Je crois que ce sera un souvenir douloureux pour Krishnan que cette première apparition sur le central de Roland-Garros. Et oui, c'était un coup sans commentaire, remarquablement fait par Connors. 40-30. Connors qui hésite, il pensait que la balle était un petit peu faute. Je serais plutôt de son avis. 40-30 tout de même pour Krishnan. Un petit geste complice au juge de ligne qui a l'air de lui dire bon ben j'accepte pour cette fois. Faute. Ah oui elle était faute en revanche celle-là. Oui celle-là était nettement faute. Et Connor c'est en train de dire il y a deux juges de ligne là qui ne, en qui j'ai pas Connor, une trop grande confiance. Premièrement, le public est bien sûr pour Krishnan. Effectivement, Krishnan attire beaucoup de sympathie, d'autant plus que le public voit qu'il est dépassé, qu'il se bat avec courage. On le revoit ici en train de servir. Il a un geste relativement étriqué de service. Il n'a pas l'amplitude nécessaire, ni la taille nécessaire pour être un très grand serveur. Il cherche à allonger son service et à le lifter. Oui, quoique Ken Rosewall, l'Australien, n'est guère plus grand que Krishnan et il ne sert pas de mal. C'est vrai, mais je crois que Krishnan va encore beaucoup progresser. Je souhaite de faire la carrière de Rosewall. Ou au moins de son père. Rosewall, c'est peut-être beaucoup.
15-0. Voilà, à défaut d'être un grand match, c'est un match amusant. Et là, on a vu le style différent de service de Connors qui a une grande amplitude alors que le service de Krishnan est un petit peu trop raccourci comme mouvement. Toujours très près des lignes ces services. Connors, 5 jeux à 1, première manche. Oui, le Krishnan complètement débordé par la qualité du jeu de Connors. Connors qui a dans l'ensemble un tableau assez facile au début de ses internationaux, car s'il bat Krishnan, et cela paraît vraisemblable aujourd'hui, il rencontrera ensuite le vainqueur du match qui oppose Kazé à James, deux Australiens de valeur assez moyenne. 15-0. Donc Connors ne risque pas d'être inquiété dans la première semaine de Roland-Garros en tout cas. Connors surpris par cet amorti, il a démarré très tard. Remarquable Connors, il avance toujours sur sa balle, il est non-stop en train d'avancer et d'attaquer. Il est son style très caractéristique et très efficace comme vous avez pu le voir. Ça va trop vite, la balle de Connors c'est rapide, elle rase le filet, elle approche les lignes. Voilà, balle de premier set pour Jimmy Connors sur le retour de service de Krishnan. C'était remarquablement joué de la part de Connors. Il avait vu Krishnan s'approcher. Krishnan est obligé de reculer. La balle est sortie de très très peu.
Avantage Connors. Voilà, avantage Connors, une deuxième occasion de prendre le service de Krishnan et de gagner la première manche.